Et bonjour tout le monde! Alors, déjà je vais commencer par manger quelque chose. Bon, va falloir que je le remplace par ça. Bon, j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. J'ai fait une petite visite en off. J'avais pris le bateau et j'ai visité un petit peu là-haut. Donc là, j'avais découvert un peu les terres brumeuses par là-bas. Donc, je vais pas y aller tout de suite, évidemment. Mais je voulais me chercher une nouvelle île. Et je me suis dit que cette île là-bas avait l'air assez sympathique. J'hésite aujourd'hui à me faire le deuxième village et à continuer à visiter par là-haut. Ou alors d'explorer une nouvelle île. Honnêtement, il y avait deux choses. Parce que je voulais m'installer docké sur une autre île ailleurs. Mais j'hésite à m'installer là tout simplement aussi entre ces plaines et la prairie, ou alors entre ces plaines et puis la forêt noire. Ou alors par là-haut et à voir où je pourrais m'installer. J'ai vu ici, il y avait juste en fait de la prairie tout là le long. Et puis juste à côté, c'était que de la forêt noire, donc ce serait aussi pas mal vu que j'avais besoin de la prairie, enfin des plaines, pour que je puisse cultiver le lin. Et ce que je n'ai pas encore trouvé pour c'était quoi pour fabriquer de la bière, je crois, il y avait un truc comme ça. Enfin bon, je sais plus exactement. Mais là j'hésite. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mais je pense que je vais aller visiter un petit peu. On va faire de l'exploration là-bas. J'ai repris le pouvoir des tirs. J'avais pris le pouvoir de modder juste pour que je puisse aller un petit peu plus vite en bateau, de temps en temps, évidemment, pas longtemps. En Explo 2, j'ai fait un nouveau portail rien que pour ça. Et on va voir ce que ça donne. J'ai vu un petit peu plus loin qu'il y avait également encore un petit peu de marécage. Donc ici, je me demande, j'espère que l'île est assez grande quand même. Je vais tout de suite utiliser le pouvoir des tirs, on va y aller un petit peu plus vite. On va pas trop traîner, puis en plus ici il y aura de quoi me refaire un petit peu de cuivre également, enfin de cuivre, d'étain, il y en avait juste à côté. Et du cuivre. Ouais bah j'arrive directement. Oh, en fait c'est assez rapide. On verra bien. J'aimerais bien savoir. Vraiment, je suis très curieux. J'aimerais savoir jusqu'où l'île va. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? J'aimerais beaucoup avoir une grande île. Un lieu de spawn là-bas. Allez, vas-y, je vais vite détruire ça. Non, quoi que non. Il faut que je visite. Autre chose à faire. Il faut explorer, absolument. Quand même prendre du chardon. Ok. Du chardon encore. Bon, il me semble quand même que j'en ai suffisamment pour le moment. Tiens, il y a la crypte en plus. Ça, on va quand même l'indiquer. Ça sent le globe. Bah, ça me paraît pas trop mal quand même. La zone des marécages. Ça continue encore par là-bas. Encore une autre crypte. Bah, il y en a sûrement bien d'autres encore. Ok.
Mais c'est que ça m'a l'air pas trop mal. Donc là-bas, il y a une autre île en face. Pas trop éloigné. Je me demande comment ça passe là-bas. Ensuite, nous avons de la plaine. Il me reste quoi? 1 minute 40 et quelques. Voilà, il m'a repéré. Allez, là, faut que je fasse attention. Il faut que je visite, mais faut pas trop non plus que je me fasse avoir par les blobs goudron. Là, j'ai oublié extravatrice, extravate. Ouais, bon, on se comprend. Et j'ai de la peine à prononcer ce machin. Pas bien compliqué, mais j'ai de la peine. Ça doit peut-être rejoindre cette zone-là de plaine, à voir. Sorbeuil. Donc là, c'est quoi? Une petite pointe. Ouais, en fait, elle est pas bien grande cette île, malheureusement. Mais tant pis. On va voir ce qu'on a là-bas. Pas encore vu de village. Ils sont trois. Ok. Très bien. C'est la nuit, je me demande s'il y a quelque chose de dangereux. Ok. Là, bah, par contre, lui là. Il n'y a pas de gobelin, une étoile. Ah bah si, il y en avait un. Où est-ce qu'ils étaient? Je ne sais pas trop. Non, c'est pas grave. Finalement, je ne l'avais pas tué, je crois, l'autre. La largeur, hein? Pas si large que ça. Il me faudrait aussi des yeux de dinguerie. Ah tiens, si ça remonte par là-bas, ça peut être intéressant. Un petit peu plus loin.
11 à son brassier. Va falloir que je fabrique ce qu'il faut justement pour les faire fondre et en faire des lingots. Village ici. Pour le moment, je continue d'explorer, je regarde un petit peu. Oh, est-ce que là, on s'en fout? Ça là-bas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a de bien? Qui en prend tout? Allez, il me reste encore 10 minutes. Là-bas, il y a la montagne également. Je vais pas trop m'en approcher, mais là-bas je sais que je vais mettre comme ça goudron. Je saurai de quoi il s'agit. Il y aurait une bonne technique, ce serait de. J'ai vite contourné ça. La bonne technique, ce serait d'amener des locks ici. Pour vider la zone. Ça a l'air de pas mal fonctionner. Vu ce que j'ai vu la dernière fois que j'étais passé justement dans les plaines. Je pourrais acheter, ça me sert à rien, la pierre non plus d'ailleurs. Bon. Pas la peine. Le squelette me suit plus, c'est bon. Je sais pas jusqu'où ça va. Je n'ai pas été faire un tour en bateau jusque là-haut. Il me reste plus que 8 minutes, il faut vraiment que je fasse attention, il va falloir que je redescende après ici, donc... Oula, oulala! Attention, attention, restons concentrés. Cette zone, ça me fout vraiment les boules. Goudron. Parce que c'est... Non, je crois que c'est de la forêt noire, je peux faire le tour. Il me reste encore 8 minutes pour apprendre le pouvoir des tirs. Bah, tiens. Nous avons également ici un petit peu de... De terre brumeuse, mais alors vraiment, on voit rien. Je vais pas trop m'aventurer parce que... Je vais me faire avoir par je ne sais quelle bestiole encore. Et je crois que ça sert à rien, c'est vraiment le bout de l'île. Donc pas vraiment des terres. Ok, on voit, je sais pas, je crois pas. Ouais, c'est vraiment une île pas super grande malheureusement. Mais par contre, il y a pas mal, une grande zone de prairie. Apparemment.
Il y a du gobelin. Ben, je vais garder mon truc là. Tiens, nous avons une tour de guet là-bas. Qu'est-ce que je vois au fond? Est-ce qu'il y a un village là-bas? C'est quoi ça? Ouais, je vais mettre petit village. Ok. On va couper par là. Et il me reste encore 5 minutes. Franchement, d'une façon, il me semble que c'est le bout. Je crois pas. Ah, c'est des terres brumeuses. Ah ouais, ok. Après, ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit bout de terre brumeuse sur la fin de l'île. Et ici, il n'y a pas grand-chose non plus. Ok, donc j'ai fait le tour de l'île. C'est pas très grand. D'accord. Il me reste 4 minutes 20. Je vais revenir à mon portail directement. Est-ce que j'ose passer par la montagne? Je vais peut-être faire un petit tour en montagne pour voir. C'est bien des montagnes, oui. Alors pas grand-chose, mais... Je vais quand même aller voir ça. Oups, ouf, je veux dire. C'était juste. Ah, ok, bon, c'est juste une toute petite zone de montagne. Il n'y a pas grand chose à voir. Tiens, moi qui ai besoin des yeux de nagri. On va prendre tout ça. Ça, j'en veux pas. Ça, je prends. Ça, je prends. Ok. Oulala, oulala. Et puis je vais refouiller un petit peu en dessous. On a encore un petit bout à faire là. Hein. Faut que j'évite de trop traîner. Encore de la plaine, allez voir après. Mais bon, sinon, ça peut être pas mal aussi de s'installer là. Ce sera plus proche. Ah, d'ailleurs, ici, ça peut être sympa aussi.
Si je creuse un peu là, ouais, alors ce serait quand même pas mal de boulot, mais. Allez, à voir, faudrait que je voie ça. Mais ça pourrait être pas mal du tout quand même. Enfin bref, allez, je continue. En fait, non, c'est pas si bien puisque je n'ai pas les plaines juste à côté. Il me faut une partie de plaine absolument pour l'agriculture. Et j'ai trop perdu de temps. Il me reste 38 secondes de remise en forme, du coup je n'ai plus le temps de. Ouais, enfin, ça va être. Pour revenir au portail, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus chiant, je dirais plutôt. Surtout qu'il faut que je traverse les plaines. Ouais. J'ai besoin de d'œil de noix gris. L'indiquer quand même, même si ça vaut rien, toujours utile. Ok, on va couper par là. Il y a encore un autre petit bout de montagne. Oh, il y a un gros village là-bas. Enfin, je sais pas si c'est un gros village, mais. Je vais le noter, je vais l'indiquer là. En tout cas, niveau plaine, il y a de quoi faire ici. Ça, c'est plutôt sympa. Il me reste 2 minutes, il va falloir que je reprenne de la bouffe. Je vais prendre ça tout de suite d'ailleurs. Bon, en tout cas, j'aurai pas mal de plaines à fouiller pour que je puisse trouver l'emplacement du cinquième boss. Là-bas, ah oui, ça va, j'ai pas encore fouillé aussi. Il y a encore des marécages à se faire. Alors, la montagne, elle est pas très haute, elle est juste en longueur apparemment. Mais je crois que j'avais entendu un peu des loups là au loin. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bien. J'en ai que 13.
Ah, donjon quelque part. Ah, juste là-bas. Ok. Bien, il y a encore à explorer, mais j'ai fait le tour de l'île. Ça peut être pas trop mal, c'est pas bien grand, mais... Je suis tombé sur une carte avec des îles qui ne sont pas bien grandes en tout cas. Ou alors j'aurais peut-être dû tout simplement fouiller un petit peu plus sa première, mais... Il ne va malheureusement pas y avoir grand-chose d'intéressant, je crois. Encore un autre donjon. Je pourrais fouiller encore un petit peu, voir un petit peu plus ce qui se passe par là-bas. Et c'est surtout ici que je voulais voir en fait pour construire la base si j'en fais une. Non, je vais pas installer le portail là-bas tout simplement pour éviter que de d'atterrir sur je ne sais quel mob des plaines. Ça, j'en étais sûr. Ok, ah bah oui, bah tiens. Bah oui, j'ai du sombre-acier avec moi, bah c'est pas grave, je vais le mettre là-dedans. Ça fait mon coffre. Je crois que c'était tout, non, il y avait ça aussi. Ok. Alors, je vais faire un petit rangement. Ça, on s'en fout. Enfin, bon, bref, hop. Donc, trophée, j'ai ça. On va mettre ça également. Le bois. Ça va en haut, ça aussi. Ça également, ça en bas. Ok. Ça, honnêtement, je peux jeter. Faudrait que je me fabrique cette table aussi, là. J'ai pas encore faite. Comment ça s'appelle d'ailleurs? À chaque fois, je voulais la table d'artisan. À chaque fois, je voulais le faire dans une nouvelle base. Et le temps de construire tout ça, ça prenait beaucoup de temps. Et finalement, bah, je le faisais jamais. Donc, il faudrait peut-être que je change ça. Ça, j'avais dit, j'allais jeter. Là, ça. Et puis voilà. Je vais voir quelque chose aussi. Là où? C'est une boîte de pierre. Non, je vais pas le prendre maintenant, je vais encore fouiller un petit peu.
Là, je vais faire de la réparation aussi. Ça le temps de ici ce n'est pas encore prêt. Si les carottes dans les ah si tout est prêt, les oignons tout ça va falloir aussi que je me fasse. Est-ce que je vais faire ça maintenant? Ah, ça m'emmerde un petit peu, mais oui, je pourrais faire une partie ici pour les oignons. En attendant que je me construise autre chose, de toute façon, ça va pas être bien long. Allez, vas-y, je vais faire ça. Il me reste quoi à peu près 30 minutes. Allez, c'est parti. On va vite se faire ça. Il me faudrait quand même une zone assez grande. Comme d'hab, quoi. Alors, pas trop grande non plus, ça sert à rien. Là, ça me paraît suffisant, ce qu'il y a en longueur. Ça me paraît très bien. Par contre, il va me falloir encore un petit peu de bois. Allez, je vais vite aller en récupérer en bas. Ça, je vais pas en avoir besoin ici. On va le mettre là. Comme ça va très bien. Je vais juste casser ça aussi. Ah oui, et je voulais également mettre ça. Parfait. J'espère que c'est assez grand, je pense. Ça devrait le faire. Pas aussi long que celui-là. Ouais, quoi qu'il faudrait peut-être que j'agrandisse un petit peu. Bon, non, ça va aller, ça va aller. Au pire, j'agrandirai. Qu'est-ce que... Ah oui, c'était du bois que je voulais. Je vais en avoir un truc ici. Alors, là-bas, allez, j'en prends comme ça ira, ça ira largement. Là, c'est vrai que ça va changer.
D'accord. Cette zone ne peut pas être cultivée, pourquoi pas? Bah, je vais faire une petite entrée là. Pourquoi je fais ça, mais bon. Là, on va fermer. Ok. Voilà, comme ça me fait une petite zone pour les oignons. J'espère que ce sera assez grand, on va tout de suite s'en apercevoir. Là j'ai ça, j'ai juste à aller me reposer un petit peu. Fallait dormir pour faire passer la journée. Et puis le bois j'ai reposé, j'avais de la pierre également à reposer. J'ai de la résine aussi à reposer. Voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu quelque chose. Du bois, ouais, je pense que je vais devoir m'en refaire de toute façon. Feuille de dinguerie. Et puis. Ça, c'est pas indispensable, mais bon, je pose quand même. On va faire une petite réparation avant de commencer à planter. Je vais avoir besoin de mon cultivateur en bon état. Et le lin que j'avais récupéré, oui, j'avais vu en commentaire que je pouvais, c'est vrai que je peux me faire une petite zone vite fait là-bas, protégée pour cultiver, mais je sais pas pourquoi, c'est voilà, c'est tout moi, mais j'ai envie de que ça fasse partie de la base, tout simplement. Donc c'est pour ça que je compte me faire une nouvelle base ailleurs et à côté des plaines. Comme ça, j'aurai tout à portée de main. Et il y a aussi, par exemple, cette pièce. Parce que moi, j'arrive pas en fait à tout mettre en dans des petits espaces. Donc ça, j'aimerais aussi améliorer mon niveau de confort. J'ai de quoi faire, mais je pourrais mettre un étage supérieur, par exemple, et ajouter des choses par là-bas, par en-dessus. Par exemple, à ce niveau-là. Mais ça va être, je trouve ça assez pénible, donc j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus grand et d'un petit peu plus large. Comme ça, j'aurai de la place pour ajouter un petit peu ce que je souhaite. Et je trouve ça quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, mais beaucoup plus long. Mais ça, c'est pas grave pour moi. J'aime bien construire aussi, j'avais vu. Des petites idées de construction là, ça j'ai de me faire un. J'ai envie de tester ça. Si vous regardez les vidéos un petit peu de Valheim, mais je pense que vous l'avez vu aussi, j'ai envie de m'y mettre. Enfin, c'est juste les toits un petit peu courbés là, je trouve ça assez sympathique. Mais c'est vrai qu'il fallait tout simplement y penser, mais vu que je ne suis pas un artiste, eh ben ma petite tête n'y pense pas du tout. On peut dire que c'est un petit peu du copiage quoi, mais on copie. Ok, donc les carottes. 120, 120 et 120. 120 de chaque, c'est bien. Les carottes, il faudra que j'augmente aussi un petit peu la dose, hein, je crois. Parce qu'avec la viande de sanglier, sans déconner. Enfin, avec les sangliers, je veux dire, la nourriture que je donne pour les sangliers. Faut bien dire que ça consomme beaucoup. Beaucoup de carottes. Façon. Que les sangliers qui consomment les carottes, moi j'utilise même plus vraiment pour moi. En tout cas, pas pour le moment. Allez, encore 53.
qui dit que vous aurez une nouvelle base dit aussi de récupérer des nouveaux sangliers. Et pour récupérer des sangliers et deux étoiles, ça va pas être une mince affaire. Hein. Mais ce serait quand même le plus simple. Et surtout l'idéal. Va falloir que j'aille réparer ça. Je pense que j'arrive à me faire encore une ligne. Allez, réparation. Il me reste 49. Ah, des champignons. Je me dis quoi encore 49. Attends, j'arrive. Il y a un ingré qui veut se faire mettre à l'envers. Je vais m'en occuper. C'est un bourgeon là, si tu veux. Tout ça pour ça. Donc on va voir si on a la place pour mettre 120 oignons là-dedans. Alors, donc là j'arrive à en mettre 12, donc il faut 10 fois ça, ça devrait suffire. Ça suffira. OK. Parfait. Tout est planté, c'est tout bon. Allez, je vais vite ranger les champignons. Combien de temps il me reste? Il me reste à peu près 15 minutes. Peut-être un petit peu moins, on verra.
Ce que je vais faire... Bon, non, déjà, je vais ranger tout ça. Là où je vais la garder. Je vais réparer également mon cultivateur. Bon, quoique là où, pas obligé de la garder, mais... Ouais. Bon, on verra. Ah, non, c'est pas là. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Hop. Ça, je vais laisser comme ça. Je vais me prendre ça. On va se remettre en forme également. Me servir un verre de vin aussi. Faut pas trop s'en priver, faut pas trop en abuser, faut boire ça avec modération, comme il est conseillé. Mais faut en boire, hein. Ensuite, du coup, est-ce que oui, je vais aller continuer à visiter un peu par là-bas et j'ai envie de voir si je peux m'y installer, s'il y a quelque chose de bien, d'intéressant, s'il y a quelque chose de motivant, de je ne sais quoi, on verra bien. Ok. Donc du coup, il pleut maintenant. Donc là, c'est un petit peu plus loin. Mais j'aime bien justement cette partie de plaine. Parce que bon, je crois que j'avais vu, il y avait des logs à un moment donné, mais pas grand-chose. Car la zone, elle est vraiment minime. Mais c'est juste ce dont j'ai besoin justement pour avancer, enfin pour fabriquer ma base. Voilà, donc c'est vraiment le bord. Il y a juste de quoi quand même. Faire pop des gobelins. Ok. Des gobelins et d'autres petites bébêtes, quoi. Alors là, il faudrait juste que je puisse... Voilà, je pourrais le faire immédiatement, mais... Niveler le terrain. Puis après, c'est directement de la forêt noire. Alors... Puis ici, c'est de la pierre en plus. Ah non, j'ai cru. Donc c'est ça que je trouvais quand même assez sympa. Après, je trouve que, par exemple, cette zone-là, elle est quand même assez grande pour faire ce que je souhaite. Donc juste pour faire pousser certaines petites choses. Regardez, en plus là-bas, nous avons... Un ami moustique. Ça, c'est de la pierre. Ouais. Mais ouais, c'est un peu spécial quand même. Peut-être pas assez grand quand même. En longueur, j'aurais de quoi faire hein, pour faire pousser du lin et de l'orge, je crois. Bon, enfin, j'allais fouiller encore un petit peu quand même par là. Voilà, des locks. Ils sont toujours là. Là, j'ai envie de voir si... Ah, mais j'aurais dû prendre... Oups, un petit peu trop.
Donc ici aussi, c'est vrai que là, il y a de la plaine encore. Bon, je crois que je les ai un petit peu dérangés. Alors, un petit peu, hein. En tout cas, m'a pas l'air très content. Ouais, j'aurais dû prendre des flèches enflammées. Il faudrait que je le fasse. Ah merde. Je pensais qu'il allait taper. Bon, c'est pas grave, ça, je m'en occuperai une autre fois, de toute façon. Les donjons, j'indique ça vite fait. Ah bah tiens, il y en a encore un autre ici. La deuxième fois que je vois ça, je n'ai jamais vu avant des donjons qui sont vraiment à la limite de la plaine. Les deux autres étaient juste en dessus. Et puis on va vite rejoindre les marécages. On va vite fouiller par là-bas. Et j'ai cru que c'était une crypte, mais ce n'en est pas une. Donc ici, il n'y a pas de crypte. Ah bah tiens, si, il y en a une quand même. Je vais tout de même l'indiquer. Pas sûr que je la visite, mais quoi que. Parce que les autres, ouais, c'est un petit peu. Ouais. Non, ils sont plus proches les autres. Au niveau de mon portail, en tout cas. Ah, il n'y a pas de coffre. J'aurais pourtant parié. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ça, je pense aussi, mais voilà. Et puis, ça, on s'en fout. Ok. C'est bon, on rejoint les plaines. Y aura sûrement quelque chose d'intéressant à voir par là.
Ah là là, l'exploration. Bon, après, je suis pas obligé de m'installer sur une île bien grande, hein, de toute façon, mais. Il faut quand même qu'elle soit suffisamment grande, plus grande que celle qui est juste à côté, en tout cas, ça c'est quand même trop petit. J'étais assez déçu. C'est vrai qu'elle me paraissait assez sympa, et puis du coup, bah non, j'ai fait le tour en bateau. Parce que là, franchement, c'est que des petites îles hein, que j'ai. Alors celle-là, elle est quand même. Enfin, elle est pas grande, mais. Il y a ici où je suis curieux de savoir en fait si ça continue ou pas, vraiment, si ça fait un gros machin derrière. Ah, je regrette mon ancienne carte. Hein. Ah, et puis ce village-là, il m'a l'air. Peut-être qu'on va trouver des choses intéressantes là-bas. Dommage qu'on n'ait pas de jumelles. Alors là-bas, il y a déjà deux grands, là-bas. Il y en a un troisième là-bas. C'est en quoi ça? Oh là là, attends, il débarque quand même à pas mal. Je vais quand même m'en éloigner un petit peu. Je vais peut-être me les faire quand même, mais. Ce sera toujours 3 en moins. Toujours ça de gagner. Ah, c'est ces petits gnomes verts là. Et arrêtez de bouger. Ça c'est fait. Et là, il va me falloir des flèches enflammées, absolument. Je vais pas m'en occuper maintenant, ça sert à rien. Tiens, il me reste plus beaucoup de temps là, on va dire 10 minutes à peu près. Le temps de fouiller. Est-ce que je retourne par là-bas? Non, peut-être plutôt par le nord. Là, j'ai retourné par la forêt noire. Je vais limiter les risques. Allez, on va fouiller un petit peu par là-haut. Ok, tout ça en prend. Toujours intéressant. Un autre donjon encore.
Ah, c'est pas grave, j'ai parlé dans le vide, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre après d'intéressant? Est-ce que je fouillerais peut-être un petit peu ça? Oui. Mais là, donc, il y a de fortes chances que je m'installe sur cette île. Je trouve ça quand même assez intéressant. Ici, ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, des yeux de dinguerie encore. Du cuir, ça j'en ai suffisamment. Des plumes, ça. Ok. Est-ce que j'aurais autre chose à jeter? Ça, je pense, c'est des crocs de loup, j'en ai trop également. Et c'était pour remplacer avec quoi? Ouais. Avec pas grand-chose. Ça vaut pas la peine. Allez, on continue par là-bas. Ah bah tiens, il me reste plus que 3 minutes 50. Ouais, va falloir que je retourne quand même. Je suis pas loin. On va quand même fouiller un petit peu par là. Explorer. Faut que j'arrête de dire fouiller. On va fouiller un coffre et on explorera les terres. Oups. Parce que là, je pense qu'il devrait y avoir en tout cas une ou deux cryptes en plus, en tout cas. Ce serait pas mal. Enfin bon, là, en tout cas, pour le moment, je regarde à peu près la largeur. Donc voilà, ouais, c'est à peu près ça. Ça va. La forêt noire, il y a aussi de quoi faire. Il y a un tout petit peu de montagne. Il y a beaucoup de plaines. Pas énormément de villages, mais il y a de la plaine. Ok. Maintenant que ça s'est exploré. Ah bah tiens. Il masque quoi, 1 minute 54? Non, il va falloir vraiment que je redescende au portail et que je rentre. Intéressant. Encore. Il me reste 58 secondes. Allez, on va se débarrasser de cette saleté.
Ah, ça par contre, il va me falloir. Ça, je ne crache pas dessus. Allez, et puis on rentre. Donc apparemment, je ne vois que je n'ai vu que deux cryptes ici. Donc, il va pas y en avoir grand-chose, malheureusement. Je ne suis plus reposé. Coffre, ok. Tant pis. Et en plus, il ne reste plus beaucoup de nourriture. C'est très bien. Alors maintenant, il va juste falloir que je sache où est-ce que je vais pouvoir m'installer. Là, je vais voir également. Il faudrait que j'aille voir ça plus précisément. Est-ce que c'était de la flotte? Cette zone-là. Si c'en est, ça peut être pas mal. J'ai pas fait attention à ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que si c'en est, ça pourrait faire quelque chose d'assez sympathique. Faudrait juste que je creuse un petit peu plus à l'intérieur des terres pour faire venir les bateaux. J'avais du son brassier, oui. Allez! Et je pense, oui, je vais m'arrêter là, il est l'heure. Là, tout ce que je vais faire, de toute façon, c'est du rangement. Et je vais me reposer. Et puis, la prochaine fois pour demain, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, comme d'habitude. Est-ce que je vais commencer de la construction? Je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que j'ai très envie de m'installer là-bas et puis de faire une salle de coffre plutôt correcte. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu n'importe quoi. Je vais faire un petit début, mais j'ai même pas continué. J'ai pas eu la grande motivation à le faire. Et j'espère que je l'aurai pour la prochaine fois. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!